Bienvenue, on est reparti pour plus de survie du week-end. Alors, pour information, j'ai une nouvelle souris. Ça risque de mal se passer. les nouvelles souris, c'est comme prendre en main une nouvelle femme, hein, c'est compliqué. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Est-ce que. Non, ok, ça, ok. J'ai beaucoup de touches en fait sur la souris, personnellement, pour jouer à tous mes jeux, honnêtement, tous mes jeux. Genre m'abaisser, c'est sur la souris. Il y a plein de trucs. Genre ranger mon arme, c'est sur la souris aussi. Dans The Long Dark. En tout cas, le dernier épisode, on est à 39-49, c'est très très bien. On est bon, on est rassasié, on est hydraté, c'est très bien. Par contre, le temps. Ok, on peut partir. On peut se balader un peu en fait, encore un peu, avant de devoir partir pour le mont. Ouh, on a un joli temps. On a un joli temps. Qui sont les corbeaux? Il n'y a pas de champignons. Ouais, okay. Il y a la corde là. On va pas prendre la corde. Non, on va passer par là-bas. Alors, on n'est pas fatigué. Et parce qu'on a, on a fait que dormir. Donc, on va un peu sprinter. Normalement, on devrait pas rencontrer beaucoup de gens. Donc, là, par là, il y a le crash. Il y a pas mal d'objets à fouiller. Enfin, de containers à fouiller. Donc, on va voir un peu ce que ça nous donne. C'est pas très loin, honnêtement, si je dis pas de bêtises. C'est quoi ça? Carcasse. Ah, on a une maison. Ouais, carcasse. On a une petite maison. On peut prendre ça. Oh. Oh. Très bien. La carcasse, je pense qu'on s'en fiche. Ah merde. Je pense qu'on s'en fiche de la carcasse. On pourrait prendre un peu de viande, mais c'est pas vraiment très très intéressant. Non, on va tout simplement monter. Parce qu'on a beaucoup de nourriture sur nous. Enfin, c'est bien qu'il fasse pas froid comme ça, là. Enfin, pas très froid en tout cas. Ce passage, en fait, est sinueux et tout ça. Et honnêtement, ça peut prendre pas mal de temps de le franchir en fait, si vous avez que tempête sur tempête. Ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que je j'aime pas trop rester ici. J'aime bien, genre, explorer, puis après on enchaîne et on se casse. Ah oh, là. On trouve jamais rien sur les cadavres, c'est ouf. Par contre, ma souris, j'ai remarqué que le pointeur, enfin le laser là, qui est en dessous de la souris, l'optique, il capte même quand je la lève un peu. Et moi, je suis plutôt poignet. Donc c'est très embêtant pour moi. Donc je lève souvent ma souris en fait. Et des fois, elle drague, même si. Là, par exemple, je touche pas le tapis en fait, et j'arrive quand même à bouger. Donc ça, c'est un peu un problème pour moi. Mais bon, on verra. De toute façon, c'est pas comme si je l'avais payé cher. Est-ce qu'on a un loup ici? Peut-être. Ah, je me rappelle que je me cachais beaucoup ici. Attends, on va ranger ça. Alors, on peut dormir ici. C'est quoi ce U là? C'est quoi ce U là qui est apparu sur l'écran? Allô? Vous voyez ça?
parce qu'on est allé dans la grotte. Genre, il y a... Je crois qu'on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Attendez. Allô? Ah, c'est bon, c'est parti. Je crois qu'il y a le nom, en fait, de... De la zone qui est apparue. Et en fait, elle n'est pas apparue entièrement. Et ça a bugué. Et après, au passage, c'est une nouvelle installation. Hein, parce qu'à un moment, vous vous rappelez, j'avais beaucoup de problèmes avec le jeu. Genre le FOV et tout ça. Putain, mais ça gueule les corbeaux. Faut que je le baisse dans mon casque, ça me rend fou. J'avais pas mal de problèmes par rapport au FOV et tout le bordel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé le jeu complètement. Alors que je l'avais déjà réinstallé, hein, bon, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu. Donc c'est une nouvelle installation, quoi. J'ai tout effacé le dossier et tout, donc il n'y a vraiment rien de spécial. Mais ouais, il y a quand même des bugs, hein. Le jeu est bien bugué. Hein. Alors si je dis pas de bêtises, il y a un système ici pour passer, pour partir, mais on peut pas revenir, un truc comme ça. Faut qu'on regarde après. Les corbeaux sont une catastrophe. Il y en a beaucoup trop, c'est ouf. Okay. Monte. Monte. Ouais, il y a plein de trucs à fouiller. Bon, encore, il fait pas froid. Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est s'abriter dans le... La grotte. Ouvrir la porte. Voilà. Je crois que c'est cette porte, on peut pas l'ouvrir de l'extérieur ou un truc comme ça. Je sais plus. Non, je sais pas. Là, il y a une maison. Je crois que c'est ça, non? Je crois que c'est ça. La porte, là, on peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Je crois que c'est que par de l'intérieur. On va commencer à avoir froid par contre. Ah, attendez, si je dis pas de bêtises, il y a potentiellement un sous-sol. Prête aux moustiques. Et il y a un loup aussi. Il est en train de me bloquer. Il y a potentiellement un sous-sol, je crois. Alors, j'ai une mémoire de merde. Je crois que j'ai une mémoire de merde. Non ? Non, j'ai pas de mémoire de merde. non, ça. Non, ça. This stuff will come in handy. On s'en fout. Non, non, c'est ça. Non. Ça nous servira à rien, madame. Alors là, on est bien pour la chaleur. Ouais, on peut limite dormir là. Ouais, on peut limite dormir ici, c'est pas mal, c'est protégé. Okay. Alors, fais voir un peu ce qu'on a récupéré, parce qu'on a récupéré beaucoup de choses en fait. Alors les vêtements, c'est... En fait, je voudrais bien les prendre sur nous, ça. Par contre, ça, c'est quoi? C'est un sweatshirt troué. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Là, on a une veste de ski. Ah, non, mais même à 100%. C'est bête, hein, parce qu'elle est légère, hein, mais...
Enfin, est-ce que ça, je veux vraiment le garder? Ça nous servira à quoi, en fait, de faire des vêtements? C'est ça le problème, en fait. C'est que ça nous sert à rien. Et du coup, ma roulette marche bien aussi. C'est bien. Ça. Après, j'ai vu qu'on avait... Oui, on avait de la nourriture. C'est très bien. On a ça aussi. On a 136B. C'est complètement abusé. On a aussi du bois. Ok. Ah non, attendez. Merde. Attendez. On va faire un truc. J'ai oublié un truc. Ah, les chargements, des fois, ils sont super rapides. Si on a 43 kilos, en fait. Autant... bois, feu, bois. Par contre, j'ai baissé le DPI, c'est un peu galère. Enfin, je voulais tester, mais je crois que je devrais le monter, en fait. Ouais, c'est ça qui pèse l'eau. Très bien. Ok, nickel. Je crois qu'on va devoir le tuer, le loup. On peut faire ça. Je crois pas que ça marche en fait. Non, c'est bon, il est mort. Non, me dis pas que... Sans déconner! Va... Je pense pas qu'il nous ait... Je pense pas qu'il nous a déchiré... Oh putain, fermez vos gueules les corbeaux. Je pense pas qu'il nous a déchiré des vêtements, mais on a perdu une masse de vie à cause de ça. Ouais. Ce que je voulais un peu tester, en fait, le tir accroupi. Mais bon, vous avez vu qu'il nous a détecté hein, de très loin. Directement, il s'est mis à trottiner. Honnêtement, je les trouve un peu abusés. Je pense qu'ils ont augmenté leur difficulté. Je suis quasiment positif qu'ils ont augmenté leur difficulté. Ouais. Parce que là, j'étais complètement accroupi. J'ai pas de surplus de viande. Rien. Ouais. Alors que le machin, directement, il trottine vers moi, quoi. Après, j'ai posé la viande, là, dans l'espoir, en fait, qu'il aille sur la viande, mais on était trop proche. Il était déjà en direction de nous, en fait. Donc, ça, c'est la merde. Il y a quoi, là-bas? Ah oui, ça, c'est en bas. Ok. Ouais. Ah non. Non, si, c'est pour monter. Oui, on est déjà allé. Oh mon dieu. Ah, je crois qu'on peut passer directement là, en fait, et venir ici. Genre, vous avez vu avec l'arbre en pont, là? Je pense que du coup on arrive ici. Bon, on va retourner au... On s'épuise à courir. Mais... Pour qu'on finisse de fouiller l'avion. J'ai balancé tout mon bois derrière, mais bon, pas très grave.
Il y a du bois partout là en ce moment et on n'a pas vraiment besoin de bois. C'est un cadavre ça? Tiens, c'est marrant les. Oh merde. Alors, toi tu me fais chier par contre. Dépêche. Merci. Je suis sûr qu'on peut... Je n'ai pas fermé la porte, mais ça m'étonnerait qu'il puisse passer. Je suis sûr qu'on peut le gruger à la porte et le combattre à la porte. Attends, il me fait un peu peur. Si je le vois monter de là, je vais péter un câble. Non. Par contre, la question, c'est est-ce qu'il peut... Je suis sûr que vous pouvez monter sur les débris et le combattre hein, facilement. Là, vous pouvez faire ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un ours. Je vais quand même faire attention. Hein, on va quand même. Ok, celui-là, on l'a fait. Mais ouais, c'est un bon endroit en fait pour le combattre. Bah, après, par contre. Je pense qu'il va tout simplement fuir, donc après c'est à vous de le pourchasser. Mais... Ça peut être utile. Ah, c'est pas des chaussettes d'escalade ça? Yes! Nickel! Pourquoi il y a du sang? Dites-moi si jamais j'oublie des choses ici, hein, parce que je pense tout fouiller de l'avion, mais peut-être des fois il y a des renfoncements ou des parties qu'on peut ouvrir et je suis pas au courant. Donc si jamais j'oublie un truc, dites-le moi, mais je crois qu'on a tout fait. 42 kilos, ça va. Enfin, elle commence à être fatiguée par contre. Fait froid? Non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer parce qu'il fait pas froid. Alors je sais où on va s'arrêter. C'est un abri, un bunker. Lui il est à 100%, il n'y a pas grand chose dedans à chaque fois. Mais lui il est à 100%, il est juste devant en fait la corde qu'il faut emprunter pour aller à Muskegmorn. Non. Ah, oui si c'est ça. Non, le Mont Timberwall, Muskegmorn c'est autre chose. Putain, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Le Mont Timberwall. Je bouge beaucoup la tête quand j'entends un hurlement, en fait c'est pour le localiser. Ça aide énormément de faire ça. Je conseille. Des lapins. On n'a pas besoin de viande. Et on a encore 1 kg plus de viande. Donc niveau calories on est bon. On va pouvoir manger ça avant de partir parce que c'est la nourriture qui est le plus lourd. Après on a une conserve à manger. On a une
machin sur pattes. Ouais, on a la conserve à manger, et après on a que de la nourriture, genre des 300 calories ou des 600, mais c'est 0,10. Ça, c'est le top, ça. Ouais, honnêtement, on a énormément de nourriture, au final. Hein. De garder comme ça la nourriture, même avariée, à 0% et tout, on en a énormément des calories. C'est un peu débile, toi. Bon, le seul problème que j'ai sur cette souris, c'est que le bouton pour m'accroupir, il est un peu dur. Ça c'est bah c'est elle. Ah, il y a les voitures aussi à fouiller. Parce que ici il y a un embranchement avec des voitures avec un accident. Je sais pas si c'est plus bas ou c'est sur notre route. Par contre, je vais devoir monter, je crois, parce que la corde elle est pas loin. Je pense. Vous savez, je me suis habitué, genre vu que là on fait rien, que marcher, je vais un peu discuter. Par rapport à la souris, je me suis habitué en fait d'avoir des touches en fait sur le pouce. Je suis droitier pour les souris. Mais en fait, avoir plusieurs touches sur le pouce, genre mon pouce quand je repose sur la souris, j'ai une touche vers le bas, genre que je touche avec le côté du pouce. Après j'ai une touche vers l'avant, donc j'appuie avec le pouce quoi. Et après j'ai des touches au-dessus, et je me suis habitué à ça. Parce que dans ma tête, ça fait genre la touche du bas que je fais avec le côté du pouce, en fait. C'est pour m'abaisser. Après, j'ai la touche avec le tout que j'appuie avec le pouce, en fait. Le bout du pouce, ça serait du coup, en fait, genre dans Tarkov, c'est pour m'accroupir. Et après, en haut, bah, c'est pour différentes actions. Mais voilà, en gros, dans ma tête, c'est le bas, c'est pour s'accroupir. Le milieu, c'est pour s'accroupir. Non, le bas, c'est pour s'allonger. Le milieu, c'est pour s'accroupir. Et après, c'est des actions. Et du coup, c'est resté dans ma tête, ça, ce système-là. Et c'est très difficile de trouver des souris avec ça. En fait. Ça m'aide énormément, en fait, pour switcher, pardon. De jeu, parce que j'utilise toujours même cette même mécanique. En gros, c'est limite du mémotechnique. Quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai été clair, mais bon. Alors, c'est presque nuit, donc on va d'abord fouiller. On est un peu lourd, mais honnêtement, je crois qu'on n'est pas si lourd que ça si on enlève l'eau et la nourriture. Et les steaks, la viande. Donc c'est pas mal. Ah, par contre, je crois que je vais devoir faire une pause en plein milieu de la vidéo, par contre. Ça m'embête un peu, mais... ouais, je reviens. Je fais une petite pause et je reviens. Je couperai, évidemment. A tout de suite. Ok, on est de retour. J'aime pas vraiment faire ça, mais bon. T'es un peu obligé. Y'a rien. On était en train de fouiller avant qu'il fasse trop nuit. On va dormir ici, évidemment. Très bien. On va dormir ici... Et après, on prendra la corde et on ira se pendre. On ira au mont Timberwolf. Je pense... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas des choses en dessous? Je pense qu'on va aller au mont Timberwolf. On va s'installer. Et on s'arrêtera là, parce que si on doit aller après crapahuter au canyon, le canyon va prendre un petit moment. Donc je voudrais prendre mon temps pour le canyon. Donc ouais, on va s'arrêter au mont. Alors... Alors, attendez, on va mettre des trucs là. Alors, on a du bois. Ça, on s'en fout. Pas intéressant. On a du coup des vêtements. Alors attendez, ça c'est des écharpes en laine. Je crois que, peu importe, hein, je crois que le bonnet est mieux. Oui, 0,5, ouais. Le bonnet en fait est trop fort comparé au reste.
Maroc. Après, on a eu quoi comme vêtements? Donc, encore un parka simple. Parka, c'est rien du tout. Donc, chaussettes en laine. Chaussettes de sport. Hein. Des chaussettes de sport. Ok, ça. Ça marche. On est à 41-28. C'est très très bon. On a... Ah oui, ça, je voudrais bien le réparer. 40. On va le réparer parce que si jamais ça casse, on est dans la merde après. Ah, nickel. J'espère qu'on a vraiment pas baissé en pourcentage hein, pour les... les habits là quand on s'est fait attaquer. Je pense qu'on a vraiment juste perdu de la vie, hein, je pense pas. De toute façon, s'il n'y a pas le fait genre déchiré, normalement c'est bon. Mais bon, techniquement il nous a pas attrapé, mais quand même il nous a attrapé pour le jeu et du coup ça nous a fait baisser de la vie. Donc bon. Hein, savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le jeu, des fois c'est un peu galère. Alors, on a ces bouts de bois là. Honnêtement, je sais pas si on va les prendre avec. On est à 40. On va se mettre là. On est bon hein, pour prendre la corde, on est bon, il n'y a pas de problème. Juste regarder un peu ce qu'on a. Ça, je voudrais bien... À la limite, c'est moins lourd ça, niveau calories. Parce que là, on a 250 pour 25 et là, on a 500 pour 30. Donc, à la limite, c'est la canette qu'il faudrait boire. C'est ce qui pèse le plus lourd. J'essaye de... Parce que j'ai pas trop l'habitude, on va dire, d'utiliser de la nourriture comme ça. Je me fais pas chier la plupart du temps, hein. J'utilise les steaks et basta quoi. Donc du coup je suis en train de voir quel est le plus léger et le mieux en fait en termes de calories. Ouais, le prochain qui est le plus mauvais en fait en termes de poids calories c'est ça. C'est la nourriture pour chien. Ok. Je pense qu'on peut dormir. Je pense qu'on peut dormir. Je pense qu'on va dormir en deux fois. On va peut-être faire 8 heures. Puis après, pourquoi c'est décalé maintenant? Ça aussi, c'est... Putain, il est bugué de tous les côtés de jeu. On va... Non, 8 heures. Et après, on va redormir par-dessus, je pense. Parce que sinon, il va faire nuit. Parce qu'on va pas être en pleine forme, je pense. On va voir. Ah. C'est survécu. Ouais, on peut encore dormir. Non, je veux juste sortir juste pour voir l'aurore boréale, c'est tout. Voir s'il y a des trucs allumés. Et nous, c'est la corde là qu'il faut prendre. Ah, mais attendez. Ouais, mais il fait froid maintenant. J'avais dit qu'il y avait des... Il y avait potentiellement des voitures à visiter. Mais je crois que c'est loin. Oh, bah, on a récupéré toute notre vie. On va monter. On va monter là, la petite colline. Si on voit quelque chose ou pas. Ouais, les aurores boréales sont plus fréquentes. Hein. Là, pour l'instant, je crois qu'on a du 100% depuis que j'ai repris là. On a passé genre 3 ou 4 nuits. Il y a toujours eu des aurores boréales. Alors après, peut-être qu'ici, il y en a beaucoup. Hein. C'est ça? C'est ça. Oh bah ça va, c'est pas loin.
Là, par contre, il fait un peu froid. On va devoir se bouger les fesses. Bien. Si jamais il y a quelque chose qui vient nous bouffer les miches, on peut se mettre à l'abri. On a tellement de plumes. Vu qu'on est en train des fois de parler un peu de ce qu'on pourrait faire pour améliorer le jeu, moi j'aurais fait un mode où il y a la créature, vous vous rappelez, alors c'était il y a 3 ans je crois maintenant, on a la créature qui est invisible, oh, attendez, elle fait des réserves de stimulants qu'elle planque dans le piano, va savoir pourquoi, tu veux bien t'en occuper? Stimulant qu'elle plante dans le piano. Ah, j'ai pas bu. Attendez, du coup, j'ai regardé la boîte à gants ou pas? Bon, il faudra retourner au petit village, du coup, pour trouver le... chercher dans le piano. En plus, je sais exactement où il est, le piano. C'est dans l'endroit principal où on avait campé. Des stimulants. Les stimulants, ça c'est bien, si c'est un truc pour se piquer là, le cœur, là, c'est bien, ça nous fait littéralement une vie, une seconde vie, quoi. Très très bien, ça. On va pas y aller maintenant, ça sert à rien. On y retournera plus tard. Ok, on va finir notre nuit. Mais ouais, les choses qui pourraient être bien, moi j'aurais fait un mode intrus et avec une option si on peut mettre genre la créature ou pas. Mais pas la créature qui nous poursuit genre 24/24, ça c'est pas très intéressant si on joue normalement. Mais j'aurais fait en sorte que genre la créature soit dans une zone et elle change de zone en fait de temps en temps. Genre pendant une journée elle reste dans une zone, après elle change. Du coup, ça... Je sais pas, ça rajoute un peu du fun, dans un sens. Genre, si vous allez à la Vallée Charmante, vous savez qu'il y a la créature, bah, du coup, vous faites attention. Si jamais elle vient, je sais pas, au Lac Mystère, et que vous campez au Lac Mystère, bah, du coup, bah, vous allez camper ailleurs. Vous voyez, des choses comme ça, en fait. Ça aurait pu être pas mal, un mode comme ça. Ça pourrait être pas mal. Il y a aussi une chose que j'ai en commentaire souvent, c'est on parle de la customisation des intérieurs, où on sait pas trop en fait, hein, il y a écrit juste customisation, on sait pas trop si ça va vraiment être de tous les endroits, ou est-ce que c'est limité à certaines choses et tout. Et je me dis que plus on attend, ça aussi c'est vrai que c'est une mauvaise chose, plus on attend et plus on s'imagine que ça va être des trucs super bien, et s'il faut ça va être des trucs un peu pourris au final. Et moi j'ai peur de ça. Parce que ça aussi, c'est vrai de parler de choses aussi grosses comme la customisation d'intérieur, et après de pas le sortir pendant genre 4 ou 5 mois, c'est pas très intelligent de leur part. Tu vas pas parler d'un truc aussi gros sans le rajouter rapidement, quoi. Mais bon. Mais bon. On va pas reprendre les bois, même si on pourrait, on est à 38 kilos, mais on s'en fout en fait. Les bois qu'on a laissés là, qui permettent de faire des arcs. Notre arc est très bon pour le moment, et puis de toute façon on va trouver des bois
au mont. Enfin, on va pas trop y rester longtemps, comme j'ai dit. Mais c'est sûrement, c'est surtout au canyon des cendres là. Le canyon des cendres, par contre, on va y rester un petit moment. On va devoir aller chercher notre sac, mais pas que. Hein, on va faire le tour, parce que comme j'ai dit, c'est une zone d'extrémité. Donc, en théorie, on va jamais y retourner, à moins qu'ils rajoutent des choses. Mais en théorie, on va jamais y retourner. Donc, on va la faire à 100%. On va essayer de revenir avec le plus de bordel possible, donc tout ce qui est... tout ce qui est... je sais pas, genre pierre à aiguiser, kit de couture, vraiment les trucs rares, hein, vous voyez. Donc, et on va faire descendre tout ça. Il fait très froid là, par contre. Ok. Le mont Timberwolf, bienvenue. Alors, le mont Timberwolf est, dans un sens, une zone très difficile. Ah non, il y a du vent, c'est chiant. Une zone très difficile, mais une zone facile dans un sens. Si vous restez au pied du mont, honnêtement, c'est pas très difficile. Après, il y a des loups. Après, oui, il y a des loups, mais il y a aussi des cerfs, il y a aussi des lapins et tout ça. Donc, vous pouvez limite vous débrouiller. Et après, si vous, par contre, si vous voulez monter et aller au sommet, par exemple, là, vous allez rencontrer des loups, surtout. Des ours. Des cordes. Oui, des cordes. Vous allez rencontrer des cordes aussi. Ça, c'est un problème. Pas beaucoup d'endroits. On va dire qu'il y a des endroits pour s'abriter, mais c'est... Il faut connaître. Honnêtement, il faut connaître. C'est pas vraiment... c'est très rare que vous allez tomber dessus, en fait. Genre les grottes et tout ça. Il faut savoir où elles sont. Ah, avec la scie à métaux, on peut ouvrir les caisses aussi. J'avais complètement oublié qu'il y avait des caisses ici. Un peu de hauteur. Juste pour voir. Donc ouais. Ce sont... c'est un endroit, ouais, qui est... Pour moi, qui est moite-moite. Que dans tous les sites, il est catégorisé comme une zone des plus difficiles. Une des zones les plus difficiles. Mais au final, si on connaît, ça va. Là, alors c'est possible qu'il y ait un élan. Et je crois déjà en avoir combattu un genre par là. Donc on va éviter d'aller à gauche. Je vois pas de marque au sol. Pourquoi il y a possiblement un élan? Parce que bon, déjà de 1 je connais, mais de 2 il y a ça là. C'est surtout ça en fait. Genre ils se font les cornes sur les arbres. Ok, on a les lapins là. Par contre ici vous aurez pas le mal de l'enfermement, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il fonctionne pas, parce qu'on est dans une cabane en fait qui est pas fermée. Que j'ai entendu. Ah, mais bon. Je me permets de marcher même si on a froid parce que je sais où on va, y a pas de problème. Il y a un peu de bois aux alentours aussi, donc ça va. Un peu attention quand on monte là, parce que des fois les loups aiment bien se balader. Ok, une corde. Let's go! Ça y est, c'est bon, on est bon. Ah! Ça, très bien. On a une
Le 5 septembre, je suis arrivé au pied du mont Timberwolf. Crevasse intéressante en vue, comme Clive l'avait promis. Je vais installer une moulinette et faire un peu de bloc le temps que les autres arrivent. Je sais pas ce que ça veut dire. J'espère qu'ils ne tarderont pas. 6 septembre, toujours pas là. Mes amis se sont-ils perdus? J'ai été réveillé en pleine nuit par un bruit assourdissant. La montagne était en feu. J'ai voulu sortir, voir, mais le temps a viré à la tempête. Pas moins de m'orienter. Ça, c'est le... l'avion qui s'écrase, en fait. 5 septembre, journée dégagée, je suis ressorti. J'ai trouvé des caisses de fret en métal, sûrement tombées d'un avion. Il y a encore de la fumée qui sort du mont. Je vais tenter d'atteindre le sommet pour mieux comprendre ce qui se passe. Très bien. On va tout prendre dans l'inventaire d'abord. Yes. Un cadavre avec un ordinateur a été trouvé aux coordonnées suivantes. Ça ne peut pas être quelqu'un du coin. C'est pitoyable. Okay. Grotte du gouffre. Oh, attends, est-ce qu'on peut dessiner là? La grotte du gouffre. Je sais pas si on va y aller. Je sais pas. Je sais plus trop. Loup. Toujours regarder sur sous les bâtiments, sous les choses. Ah, là il y a un truc derrière. Ok, très bien. Ok, parfait. S'il y a de la lumière, si jamais il y a le truc qui s'énerve. Alors, on va passer un petit moment, on va faire le... Alors, cette corde, je crois savoir où on peut la mettre. C'est loin, je pense pas qu'on en ait besoin maintenant. On a une fusée de nautique, ça, on la laisse là, on n'en a pas besoin pour le moment. Ça, le banc, là, il faudra le casser parce que ça prend de la place pour rien. Ça, on peut le virer. Ça, on vire. Voilà. Ouais, on va finir notre épisode ici. Enfin, pas maintenant. On va d'abord... on va d'abord décorer. Voilà. On va d'abord décorer. Ouais, le café, tout ça, on peut le garder. On a eu ça, ça sert à rien. Très bien. Là, on a des tisanes, très bien. Ça sert à rien. Celle-là, on va la déposer. Dans ce gâte. On est à 38 kilos. Beaucoup de nourriture. Et on n'est pas très lourd, honnêtement. C'est vraiment cool. Alors, la fusée. J'ai envie de la virer aussi, cette fusée-là. On a notre lampe, ça on la garde. On a plein de plumes. Les plumes, on va les garder sur nous parce que les plumes, c'est par 3.
Ah, quand on fait des flèches. Ouais, donc ça, ça va aller vite. Je pense qu'on va devoir faire de l'eau avant de partir. Non, attendez. Nos outils. C'est l'objet. Ah, un truc par contre. C'est vrai que maintenant que j'y pense, le fait de forcer l'objet, ça fait pas de conserve. Et c'est vrai que de faire des conserves, on peut en faire des bombes maintenant. Maintenant que j'y pense. Ah. Ouais, non, c'est vrai qu'à la limite, on devrait faire des conserves. Ouais. Ouais, non, on devrait faire des conserves quand même. Après, je vais être honnête, c'est pas vraiment un truc qu'on va utiliser des masses. Honnêtement, je crois que j'en ai jamais encore utilisé des bombes. J'en ai crafté, hein. Mais je les ai jamais utilisées. Je crois que c'est parce qu'elles pèsent très lourd. Enfin, c'est ou 0,50 ou 0,30. C'est combien déjà une conserve? 0,15, ça doit être 0,30, je pense. On va faire... on va faire du bois. Ça m'embête, parce que là, on peut pas le bouger et ça prend de la place. Ouais, il y a une tempête un peu pourrie. Il y a un truc qui marche derrière? Non. On a des brebis là. C'est pas des brebis, hein, vous avez compris. On a ça. On va faire le tour des massettes. On a la cabane. Pour le... Ah, il y a des loups. Il y a des loups. Ok, ça s'est calmé. Alors, le plus facile, ça serait de... Il y en a combien? Deux ou un? Un seul. Ça serait de l'envoyer en fait sur des les biches là. Machin. Et après on tue le loup. On va peut-être rester un tout petit moment ici. Il y a un loup là-bas. Mais attendez, on va en profiter. Parce que ça, c'est la direction qu'on doit prendre. Non! Merde. C'est la direction qu'on doit prendre, en fait. Donc ça, ça nous aurait aidé. Il faut que j'arrive au canyon avant qu'il ne fasse noir. Les loups ont hurlé toute la nuit. Le feu devient invisible. C'est où, ça? C'est encore plus loin. Tu vois pas vraiment exactement où je veux, ça m'embête. On va prendre des massettes, comme ça nous fera un petit tas. Ah, mais c'est pas un loup, c'est un ours, je crois, ça. Non, ça c'est un tronc, ça. Un tronc d'arbre, je crois. Eh oui, pas de jumelles. C'est le problème.
bien. Après, on va... On va dormir une heure là pour... Comme ça, ça nous réchauffera vite. Je vais pas faire peur à la biche maintenant. Oui, non, c'est juste un truc d'arme. On va pas faire la biche maintenant parce que je tremble. On va rentrer. On va dormir une heure histoire de se... réchauffer. Non, c'est des fois si c'est pas mieux de juste d'attendre une heure et vous couper en... Ouais, mais non, mais ça utilise plus de calories. Non, le mieux, ça reste quand même de... dormir, je crois. Quand on veut faire des trucs comme ça. Par contre, c'est l'eau. Je vais avoir un problème avec l'eau. Ouais. On va avoir un problème avec l'eau. On a qu'à manger ça. Je crois que ça donne de l'eau. L'épisode risque d'être un tout petit peu plus long, mais je voudrais essayer de faire quelque chose d'intéressant là. C'est pour ça que je me repose en fait, parce que là on va devoir courir un peu pour mieux se placer. On va faire une pierre de coups en fait. Là-dedans, je crois... C'est toi qui fais ce bruit-là, putain. Oh là là, t'es sérieux. Tu vois pas du tout où je veux, quoi, c'est ouf. Bon, on va faire l'inverse. On va faire venir le loup sur la biche. On devrait pas trop avoir froid. Eh oh! Vas-y, viens, amène-toi. Alors, elle est à droite. Alors, normalement, si on avance comme ça, il devrait nous lâcher un peu. Parce qu'il n'est pas très, très intéressé par nous. Donc, il devrait sentir le machin et lui foncer dessus. Faut juste pas effrayer la biche, en fait. Et Bambi! Et des lapins aussi. Hey, t'es con ou quoi? Sans déconner. Ça y est. Ah, mais il est un peu débile. Non, mais cours lui après. Brutti. Ah, c'est bon. Oh là, t'es nul. Waouh. Non mais je peux pas y aller, moi. Pardon. Bah, du coup, ça m'a fait dégager le loup, hein, ça c'est sûr.
Je vais me retrouver nez à nez avec le loup. Juste là. Bon, bah va te faire mettre. Hein. T'es vraiment nul. Hein. T'es vraiment nul. C'est le loup qui revient en fait. Ou alors c'est un autre ça? Non, c'est pas. Bon, du coup, on a cette partie-là. Je sais pas si cette partie-là est intéressante. Ah, attendez. Non, c'est pas une, un rocher à corps ça. Ça y ressemble un peu. Ouais, je sais pas si c'est la partie haute en fait est très intéressante derrière nous. Excusez-moi. Je pense pas. Bon, du coup, on a fait partir la machine. Bon, on va peut-être rentrer si on commence à faire froid. Faut qu'on fasse de l'eau. Qu'on fasse de l'eau, il faut qu'on fasse de la nourriture. Et du coup, bah, c'est super loin les animaux là qu'on a pris. Qu'on a tué. Enfin, qu'on a trouvé surtout. Ça m'embête. Que là, il faut, en fait, là, il faut manger les animaux. Hein. Là, il n'y a pas. Là, c'est le mieux hein, pour. Pour les ressources. Et ça, on le garde. Comme j'ai dit, c'est très très léger. Alors, ça, on le vire. Ça, on le vire. Je voudrais bien en fait aller récupérer un steak. C'est pas qu'il m'embête. Un steak ou deux. Ça devrait être bon. L'épisode doit être un peu long. Le froid nous fout dans la merde. Si je me brouille. Il y a plein de bois aussi comme ça. Ça te permet de... Ah, ah. Donc c'était pas le même, hein, bien ce que je pensais. Ah putain, ouais, du coup il a tout mangé. Merde. C'était pas le même. Putain, c'est juste à côté de chez nous, quoi.
Ah, ça aurait été parfait. On aurait eu au moins 5-6 kilos de viande. Merde. Ah, ce que je me suis dit, ça a pas l'air d'être le même, je suis pas trop sûr. En fait, c'est les pas qui étaient au sol qui semblaient pas coïncider avec notre chasse. Parce que les pas allaient sur la droite, nous on a trouvé le loup sur la gauche. Donc ça allait pas en fait. C'était le truc qui clochait. Et du coup, ouais, j'avais raison. Très bien. On va voir. Voilà. Par contre, on va pas repasser par là, parce qu'il y a le loup. Je pense qu'il va nous flairer de très loin maintenant. Not sure I can carry much more. On va passer par là. Et ce qu'on va faire aussi, c'est récupérer les pots et les laisser sécher. Il y a un loup à droite. Il nous a flairé, je crois. Il a l'air de trottiner vers notre direction. Ah, je suis un peu dégoûté là. Bon, après, c'est pas vraiment très grave, hein, vu qu'on peut manger tout et n'importe quoi, mais. Enfin, c'est le fait de. Qu'on aurait pu vachement bien jouer, en fait. Ouais, il va sur le lapin. Ah, le lapin est mort. Ça, ça m'embête. Ouais, on a bien fait de faire le tour. On a bien fait de faire le tour. Alors, on est un peu fatigué. Je voudrais faire un peu de. Enfin, on va dormir. Je voudrais faire un peu. Parce qu'en fait, je veux garder mes calories et tout ça le maximum. Résidenteur, c'est l'hypothermie. Ok, c'est très bien. On va s'occuper du loup. Ah. Oh là là, c'est un carnage ici. Je crois qu'il est juste en dessous. On va être trop près de lui là. Je crois qu'il y a le lapin là, l'autre là qui est mort. Nickel. I wonder if I can drop any of this gear. Stop. J'ai cru qu'il y avait un truc qui avait couru à côté de moi. Ça aussi. Bon. Bon, on a récupéré un lapin sur deux. Putain, il y en a encore un. Genre, je savais bien que j'avais entendu un truc. Oh là là, casse-toi. Te bloque pas dans ma maison. Il y a
Ça, il faudrait que... On le mette dehors, en fait. Je fais de la merde, pardon. Je fais de la merde. Alors, elle commence à avoir faim, la madame. Par contre, on est un peu fatigué. On va dormir juste une heure. Histoire de se remettre un peu d'aplomb et on va faire un feu qui va durer quelques heures. Ok, parfait. Non, au final, on n'a pas trop de bois en fait. Ok, fais voir. Ok. On n'a pas trop de bois, donc on va pas faire très très longtemps. C'est embêtant. Ok, nickel. Quoi? On n'est pas réussi? Oh merde, pardon, je faisais pas attention. Chier celui-là qui est derrière. Je voudrais commencer à faire cuire en fait les choses. Et après on va s'occuper du loup. Encore une, j'ai pas éteint la torche. Come on. Okay. Je vais mettre mon téléphone loin de moi. Okay, très bien. Ouais. Ça. Nickel. Ouais, ça sera cuit avant qu'on ait faim. I'm gonna need to eat soon. C'est ce lumière. Le pire, c'est quand les loups tournent autour de la maison, en fait. Vous voyez, il y a des roches et tout, c'est un peu la merde pour les trouver. Je sais pas exactement où ça doit être celui-là qui crie là en fait. Il doit être là-bas. Bon, au pire, on s'en fout. Par contre, je voudrais à la limite trouver. Trouver plus de bois. Important. En plus, il fait pas froid, donc parce que là, on a honnêtement niveau nourriture, c'est bon, on est bon. On a suffisamment pour ce qu'on veut faire. On va pouvoir se remettre à au max. Il fait pas extrêmement froid, ça, je suis content. Il n'y a pas une caisse de fret ici? Apparemment, non. Je sais pas à quelle distance on peut s'approcher des lapins avant qu'ils aient peur quand on est accroupi. Peut-être manger quelques trucs. J'ai pas envie de perdre mon bonus. Excusez-moi.
Excusez-moi encore une fois. Ça, ça fait un peu d'eau. Du coup, l'épisode, il va durer un peu trop longtemps. Je suis désolé. Il est là. Encore heureux que je l'ai entendu. Si je fais ça... C'est pas mal. Non, c'est le feu qu'on entend. C'est pas mal comme stratégie. Point d'interrogation, je sais pas. Par contre, il faut s'accroupir. Sinon, ils nous foncent dessus quand même. Mais ouais, c'est... Je sais pas. Je crois que le mieux quand même reste la ligne droite quand ils nous foncent dessus. Bon, par contre, là, vous avez pas le droit à l'erreur, en fait. Mais après, quand ils font des lignes droites, c'est facile de mettre des headshots. Par contre, si vous avez un endroit sinueux, ils vont faire des détours. Enfin, ils vont bouger et tout. Donc ça, c'est un peu plus compliqué de tirer dans la tête. Donc ouais. Ça dépend. Ça dépend de l'endroit. Mais ouais, c'est pas mal quand vous pouvez tirer accroupi. Ouais, ça peut être intéressant. Nickel. Plante de locute. Je vais mettre le style. J'ai pas d'eau par contre. Hop. Hop. Ouais, non, l'eau on est bon. On va manger ça. Ouais, vous voyez qu'on a, on a largement... On est très bon quoi niveau... On est très bon niveau nourriture. On a largement suffisamment pour durer un petit moment. De table. Bon, là on va faire de l'eau par contre. 15 et 15 à chaque fois. C'est pour ça aussi que je voulais récupérer des lapins. Ça nous permet de faire ça. Pour passer une trentaine de minutes à peu près. Ou alors sinon vous faites les baies. Ou vous préparez en fait les baies. Ou bien sûr les champignons. Et vous êtes tranquille, ça aussi. Vous faites 15, 30 minutes, 45 minutes. Donc c'est très pratique en fait. Quelle 28 minutes. Et je crois que ce feu du coup il n'est pas considéré en intérieur. Je sais pas ça par contre. Je sais pas si en fait il est plus long ou pas celui-là. Vous savez que plus il fait froid et tout ça. Ah, peut-être qu'il fait pas froid, c'est sûrement la température ambiante en fait. Et vu qu'on est en positif, j'arrête pas de tousser, désolé. Je dois couvrir quelque chose. Vu qu'on est en positif, peut-être que le feu ne dure pas plus longtemps en fait. Très bien, on est pour 3 minutes. Tempête.
Oh bah ça se passe bien. Par contre là on va être un peu décalé par rapport au jour-nuit, ça c'est un peu le problème. Alors 18 minutes. Ça c'est fait, ça c'est fait. Douze minutes. Ouf, on est bien. Ça c'est 5 minutes par contre. Ça c'est pas mal de le préparer, c'est un boost de soin, c'est bien. Les deux coïncident, comme ça on n'a pas de problème de temps. J'arrive pas à m'entendre parler, c'est bien. Ah, merci. Bon, encore un deuxième. Ben voilà, ça se passe très bien. 42 minutes. Toi, t'es à combien, toi? 12. Nickel. Même si on fait un peu trop de nourriture et tout ça, c'est pas très grave. Parce que ici, en fait, c'est un super endroit pour camper et tout ça. Donc c'est vraiment un très très bon endroit. Donc ça, c'est pas vraiment un problème de rester, de faire de la nourriture et de la laisser ici, en fait. Après, est-ce que vous avez besoin de fermer la porte? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si... si les bestioles peuvent rentrer pendant la nuit. Ou... genre vous attraper, je sais pas. Je sais pas. Moi, je ferme toujours par... par habitude. Donc la fin de notre épisode qui a été un peu plus long. Il faudrait 50 minutes de feu. Une heure, ouais, ok, c'est parfait. On va manger. On va tout manger les petits d'abord. Voilà. Comme ça, on tape pas en fait dans notre réserve. Comment on pourrait appeler ça? La réserve légère de nourriture. Par contre, il y a les massettes que je veux entreposer là-dedans. On va juste en prendre 10 sur nous. Pour le reste, on touche pas. Après, il y a le thé, les tisanes et tout, mais bon, comme c'est, ça vaut rien du tout en poids, c'est pas grave. On va déposer ça. Je sais qu'on a encore de la nourriture à cuire, mais il y en a un peu trop, là. De toute façon, on va pas rester. Je crois que... attendez que je réfléchisse un peu. Je pense qu'on peut partir la prochaine fois. Je pense qu'on est bon. Peut-être la bouteille d'eau, on va en avoir besoin. On est à 39. Ouais, on est en dessous des 40 kilos, honnêtement. Donc ça va. Ouais, non, on pourra partir la prochaine fois et on va au canyon. Ouais, on va au canyon. Je regarde si on n'a pas du surplus. Là, on est bon. Il y a ça, je voudrais bien les préparer. Comme ça, on en dépose, en fait. Ah, on pourra en déposer là. Je
genre 5 de ça et 5 de ça. Si on en a déjà sur nous, on en a quelques-uns qui sont prêts, mais surtout on en a plein à préparer. Donc pas besoin de... Pas besoin de... Comment dire? D'en transporter trop en fait, parce qu'après ça pèse lourd. Allez, on est bon. On va dormir et on partira la prochaine fois, le prochain épisode. Épisode un peu long cette fois. Ça changera des 45 minutes, ça doit faire au moins 1h20. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, on sera... Ouais, on sera un peu dans la journée, mais c'est pas grave. Ciao.